picolé là. Je fais cet audio aujourd'hui, mercredi 7 juillet 2021. Tout d'abord pour remercier les Congolais et Congolaises qui m'ont reçu ce samedi et dimanche à Sevran et à Grigny. Et j'en profite également pour saluer la participation et la prestation de Ardos durant ces deux journées. J'ai également pu m'exprimer et je remercie qu'il ait pu faire le déplacement au micro du P. Bresiani. Donc maintenant, je fais cet audio avant tout pour parler aux Congolais qui n'ont pas pu être là pour me suivre. Donc c'est-à-dire que je voudrais dans un premier temps les rassurer que comme j'ai pris un engagement auprès d'eux de faire la lumière autour de la mort de Guy Brice Parfait Kolela, donc je la ferai, cette lumière, je m'y engage, je suis focus. Donc vous devez savoir que j'ai demandé 2 semaines après la date du 11 juin pour pouvoir déposer plainte. Parce que vous savez, pour que nous arrivions à une enquête ici en France, il faudrait qu'un juge d'instruction soit nommé. Pour que le juge d'instruction soit nommé, il faudrait que le procureur puisse le nommer. Et le procureur ne peut statuer que lorsqu'il y a une plainte. Donc jusqu'au 11 juin, il y avait jusqu'au 25 mai plutôt, excusez-moi, il n'y avait pas de plainte dans ce dossier, alors que ce dossier court depuis le 21 mars 2021. Donc c'est pour cela qu'il fallait arrêter le processus d'enterrement et qu'on me laisse le temps de pouvoir monter une plainte qui prend, ça prend du temps, ça se fait pas en 2-3 jours, il faut que nous-mêmes nous menons des enquêtes, que nous faisions des vérifications, c'est ce que mes avocats ont fait, et très bien fait d'ailleurs, je les remercie. Donc la plainte a été envoyée, ça fera bientôt 3 semaines. À la date d'aujourd'hui, nous attendons la réaction du procureur de la République. Sans cette réaction, nous ne pouvons rien envisager. Nous ne pouvons pas non plus parler d'enterrement parce que l'enterrement n'est pas la priorité pour moi. Moi, ma priorité, c'est de connaître la vérité autour de cette mort. Donc, je tiens à rassurer les Congolais qui s'inquiètent, qui croient que nous allons commencer à procéder à l'enterrement. Il n'en est pas question pour le moment. Donc, voilà. Donc, je voulais faire cette mise au point et rassurer qu'il y a une procédure judiciaire qui a été mise en place, en marche. Nous attendons la réponse. Et au moment venu, s'il y a un couac ou quoi que ce soit qui se passe, je vous aviserai après avoir fait le point avec mes avocats. Et donc, je tenais aussi à préciser, dans la tradition Congo, comme je l'ai dit à un de mes frères, c'est le papa qui enterre l'enfant. Donc, c'est à la famille paternelle de Parfait de prendre cette responsabilité de l'enterrement. Mais encore une fois, nous n'en sommes pas là. Et donc, je tiens à vous rassurer que le combat est dur. Ce sera long. Ce ne sera pas facile. Il y aura des embûches. Je suis consciente. Et vous devez en être conscient également. Que ce n'est pas une mince affaire que nous sommes en train de mener. Mais comme nous avons Dieu, et j'espère que vous êtes comme moi, que vous avez foi en ce Dieu, nous y arriverons. Je sais que nous y arriverons. Quelle que soit l'issue, nous y arriverons. Et je vous donne ma parole que nous y arriverons. Je vous demande à vous, Congolais, de ne pas baisser les bras, de rester debout, de continuer à me soutenir. C'est votre soutien qui me permet d'avancer. C'est parce que je vois votre tristesse et en même temps votre détermination qui fait que je me dis, il faut que je reste debout pour eux. Je suis le porte-parole des 100 voix dans ce dossier. Nous y arriverons. Nous y arriverons tous ensemble, main dans la main, dans la confiance. N'ayez pas peur que je vous déçoive, je ne vous décevrai pas. Je veux savoir de quoi est mort Guy Brice Parfait Kolela. Nous voulons savoir de quoi est mort Guy Brice Parfait Kolela. Aujourd'hui, nous sommes tous des Guy Brice Parfait Kolela. Il faut dire au fond de vous, ou bien tout haut, je suis Guy Brice Parfait Kolela. Nous sommes Guy Brice Parfait Kolela. Vous êtes Guy Brice Parfait Kolela. Ils sont Guy Brice Parfait Kolela. Je vous remercie. Et pour finir, je tiens à préciser ici que je suis prête au dialogue avec toute ma famille. Je pense que nous n'avons aucun problème là-dessus. Nous allons nous réunir
assez rapidement afin de mettre tous les sujets à plat et de trouver un consensus. Je vous remercie. À bientôt.